Et Louis qui est là. Bienvenue Louis. Bah alors Louis, tu t'attendais à voir du Francky Vincent qui allait popper? Comment ça va? Moi ça va plutôt bien. On est là, on est ensemble. On s'est fait un petit jeu Square ce matin déjà du Nintendo Direct et on continue avec la démo d'Harvestella qui a popé mercredi, hein, c'est ça? En même temps, juste après le direct, il me semble. Harvestella et Various Daylife. Du coup. Là, on est sur du RPG, JRPG, jeu de ferme. On est sur de la concurrence directe avec Rune Factory. Sachant, comme je le dis depuis un moment maintenant, que Square Enix a quand même une expérience un peu plus poussée de la partie RPG. Donc, on va voir ce que ça donne. On est sur Nintendo Switch, comme d'habitude. Et puis, on va se lancer. Je découvre avec vous. Hein. Je vous ai attendu là pendant 2 jours. J'ai rien touché. Option, vibration, ok. Donc ça, vous vous en fichez. Volume des voix. Il n'y a pas d'histoire de sous-titres ou de voix japonaise ou anglaise. Bon. Est-ce qu'il y aura des kangourous? Peut-être. Peut-être, vu qu'on est dans de la ferme. Changer de langue, c'est écrit en gros, en gras. Alors, langue du texte français, les voix en japonais. Ici, c'est Weeb, vous le savez. On est parti pour ce gameplay FR épisode 1. Il y en aura d'autres. Alors, j'appuie sur nouvelle partie et ça me remet les options. C'est quand même assez fort. Et le t-shirt Meat Boy, je l'aime beaucoup celui-là. En plus, je l'ai acheté sur le site de la GDQ, enfin les partenaires qui s'appellent Yeti. Et du coup, ça avait donné avec un autre t-shirt que j'avais acheté de Metroid. L'édition spéciale pour la GDQ, ça avait donné 5 balles. 5 balles pour la fondation Cancer. Et j'avais eu même mon petit pins avec, c'était cool. Alors, merci d'avoir téléchargé Harvestella. Prologue démo. Donc là, on voit direct que le titre du jeu, Harvestella, Harvest Moon, Rune Factory, il y avait quoi aussi? SOS, Story of Season, tout ça c'est vraiment directement concurrencé. La version d'essai permet d'explorer le jeu jusqu'au deuxième chapitre sans restriction pendant une durée limitée. La démo se terminera soit à la fin du deuxième chapitre, soit après 15 jours écoulés dans le jeu. D'accord. Vous pouvez transférer les données de sauvegarde de la démo vers le jeu final. Interstellar aussi. Aussi, ouais. Je suis d'accord avec toi, Louis. On ne sait pas, peut-être qu'on va se retrouver dans l'espace. Déjà, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas 4 saisons dans ce jeu, mais 5. Nous espérons que vous apprécierez le monde de Harvestella, l'équipe de Harvestella qui signe. Allez, on va voir. En tout cas, les musiques sont sympas déjà. Alors, est-ce qu'on joue un gars ou une meuf, sachant qu'il y aura peut-être du social ou du non-binaire. Donc ça commence comme ça. Pour ceux qui n'avaient pas l'info. Il y a 3 genres disponibles maintenant dans ce jeu Square Enix. Et nous allons prendre un homme. On pourrait prendre un nom binaire, justement pour tester. Je ne sais pas. Nom binaire ou rien, nous dit Louis la brocante.
On s'engage dans une voie ou dans une autre avec ce stream? Je dirais non binaire. Non binaire pour tester et pour avoir le choix, tout simplement. Donc non binaire est une femme, ou du moins quelqu'un de non binaire. Alors si on prend homme. Ah oui, d'accord. Ok. Que cela soit dit, nous aurons la même apparence. Les mêmes apparences. As-tu une préférence, Louis? Sans troll, bien sûr. On va dire ligne 1. Ligne 1 s'appelle A, ligne 2 s'appelle B. Vu que tu es avec nous, là, à papoter, tu as le choix. A1, 2, 3, 4 ou B1, 2, 3, 4. C'est vous qui choisissez. Alors, ça, c'est cool, ça dégoûte quand ils mettent des apparences. Est-ce que homme, est-ce que femme? Là, c'est carrément... c'est toujours la même apparence. A2. C'est parti. Couleur des cheveux, alors. Cheveux roses, c'est pas mal pour un jeu de ferme. Allez. Les yeux, t'as une préférence? Rose, c'est chelou. Ah oui, de toute façon, les yeux gris, c'est pas mal. Cheveux roses, putain. J'aurais pu mettre cheveux bleus pour ce bug, mais je ne pousserai pas le vice. On ne sait jamais. Des fois que ça l'invoque et qu'il pète une durite, faudrait pas gâcher sa journée. N'empêche que ça me tente. Alors, tu vois une couleur pour les yeux qui irait bien? Rose et gris, je trouve que ça va bien. Il n'y a pas encore les yeux verrons. On peut faire pivoter. Pivotons, les amis. Les couleurs sont trop flash pour les yeux. Donc gris, c'est bien, je suis d'accord. Gris foncé. Allez. Non, il y a les yeux blancs, mais c'est chelou. Les yeux rouges, c'est un peu... hein, sanguin. Gris clair, gris foncé. Allez, gris foncé. Attention, on écoute les voix. Non, j'ai dit les voix. Pourquoi ça s'appelle Ein? Mais c'est pas ça que je veux, moi. Voilà. Elle est où la troisième voix non binaire, les amis? Je ne sais pas. Je vais prendre la voix 2, parce qu'au départ, je voulais jouer... J'hésitais quand même entre une meuf et un gars. Ah, je sais pas. Bon, allez. Alors comment on va l'appeler? Ein, Ein, c'est bizarre. Donc soit on garde les noms de base, soit on change tout. J'aime bien garder les noms de base en général. Wolfenstein ou Einbier Bitteschön. Au choix. On va laisser Ein. R Ein. Non Ein ou Ein comme vous voulez. Vous voulez vraiment lancer la partie avec ce personnage? Quoi, qu'est-ce qu'il a, mon personnage? Bien sûr. Bon, ça, on n'a pas perdu trop de temps sur le choix du perso. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. T'es sûr que tu veux jouer avec les cheveux roses? Ils sont pas roses, Louis Labocante. Ils sont auburn. Allez, debout la marmotte, réveille-toi. Ah oui, je t'ai pas sorti le hashtag de la couleur chromatique, hein, du code couleur chromatique. Ou du code chromatique. Disons que couleur chromatique, ça fait une redondance. Je me suis grillé. Tu devrais te sentir mieux maintenant, nous dit la petite fille. Viens, suis-moi. Qui pourrait croire un bûcheron posséderait autant de savoir? C'est vrai.
C'est vrai qu'il y avait l'histoire du bûcheron. Et il est classe notre perso finalement, t'as vu? Mais attention à ne pas confondre savoir et connaissance et culture. Et attention à la culture, parce que comme l'adage le dit, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Appuyez sur B pour sauter. Ah, c'est classe, ça, c'est quoi? Alors déjà, on a la caméra 360, ça me plaît. On peut sauter. Est-ce qu'on peut courir? Ouais, on peut courir avec ZL, mais peut-être qu'ils nous le diront plus tard. Et c'est tout. Et A pour ouvrir la porte. Bon, on va commencer. Hein. Je crois vraiment que c'est le soir pour rester dehors. Dépêche-toi de rentrer tant que tu peux encore respirer. Donc ça, c'est quand j'essaye d'ouvrir la porte. Je confirme, moi j'en étale partout. Des super gros monstres très effrayants vont te dévorer si tu restes dehors pendant le quietus. Désolé, mais maman m'a dit que je devais pas ouvrir la porte. Il semble impossible d'entrer. Tu pourrais bien être la personne qui sauvera le monde et la fille. Que veux-tu dire par sauver? Qui es-tu? Où suis-je? Ah, du coup, on ne sait même pas ce qu'on fout là. Qui es-tu? Appelle la police. Bah, le qui es-tu, c'est la saison morte, en fait. C'est ni l'été, ni l'hiver, ni le printemps, ni l'automne. C'est la cinquième saison, justement. Qui es-tu? Je ne peux pas encore te le révéler. Est-ce qu'on est bon au niveau du son du jeu ou est-ce qu'il est trop faible ou trop fort? Un jour viendra où tu devras faire un choix entre ce monde et celui qui existait jusqu'alors. Ah, je sais pas. Peut-être que c'est ça, Louis, au niveau du qui es-tu, son Bella. Et merci pour la question sonore. Mais n'oublie pas, il s'agit de l'histoire de ton monde. Et tant que tu l'aimeras, une solution se présentera à toi. Alors, même si les obstacles te paraissent insurmontables et que le désespoir te submerge, ça s'annonce joyeux comme aventure. Ne l'abandonne sous aucun prétexte. C'était plutôt ce matin le côté visuel novel hein, sur Various, le jeu mobile de Apple Arcade. Various Day Life sur lequel on a fait le premier épisode. Là, je pense que ça va être un peu moins visuel. Hein. Voilà comment commence le jeu. Harvestella. On meurt, j'ai l'impression, ou on s'évanouit? Ark, c'est bien le moment. Je devrais être en consultation à l'heure qu'il est. Rencontre avec le divin tel Moïse.
vrai. Et puis mise dans l'ambiance de la saison qu'on découvrira plus tard, je pense. Et toi, le moment serait plutôt bien choisi pour te réveiller, tu ne crois pas? Je pense qu'on nous a trouvé. Toujours pas? Très bien. J'ai quelque chose qui devrait te donner un bon coup de fouet. Oh, tu as tout entendu? Oublie ce que je viens de dire. Je n'avais aucun remède miracle pour sortir du sommeil de toute façon. Où suis-je? Ou qui es-tu? On reste sur qui es-tu? Une femme aux formes avantageuses, on est bien dans un jeu japonais. Bon, ça dépend de ton point de vue, j'ai envie de dire. Je m'appelle Cress. Je suis la médecin de Lett, le village au pied de cette colline que nous appelons Val d'Oiseau. À mon tour de poser les questions. Tu ne viens pas d'ici, tu me trompes? C'est la première fois que je te vois. Aucune personne saine d'esprit n'irait traîner dehors en plein quiétus. Tu n'es donc pas au courant? Le quiétus, qu'est-ce que c'est? Ta mémoire te joue des tours, on dirait. Enfin, peu importe. Je dois y aller. Viens me voir à la clinique de Lett quand tu te sentiras un peu mieux. Histoire. Cette icône indique où vous rendre pour faire progresser l'histoire. Ok. Classique. Donc on a le plan en haut à droite. Si je fais plus histoire, quête et notes. Donc là on a le prologue. Qu'est-ce qu'on vient de vivre? Quête on n'en a pas et notes non plus. Et en haut on a donc journal, c'est là où on est. Sac à dos, objet de valeur. Ah, on a déjà une houe et un arrosoir, c'est pas la classe. En plus, c'est design. Hein. Très design. Le groupe, pour l'instant, on est seul. Spécialité combattant. Encyclopédie. Ah, donc il y aura des ingrédients. À peu près 200. Une trentaine de graines. De l'artisanat. Cuisine. Récolte. Ennemi. Peur. Il y a du poisson. Peut-être qu'en ennemi, il y aurait des kangourous, mais j'y crois pas trop. Et après, option comment jouer et retour au menu principal. Alors, il y avait écrit quoi? Rendons-nous au village, c'est ça, hein? Alors, le portrait dessiné, attends, je reviens. Ah oui. Oui. Bien vu, Louis la Brocante. Après, ça doit pas être compliqué, hein, de changer de couleur, mais. Mais belle remarque. Ici, à mon avis, voilà, mur invisible pour faire plaisir à Data Reaper. Là, je crois qu'il est en train de streamer la maladie Xbox. Hein. Il y avait la conférence au TGS. Hop, un petit mur invisible, visible. Du coup, c'est là que je dois aller et je dois tourner. Oh oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une jolie mallette en bambou. Boîte de stockage, vous pouvez entreposer des objets dans des boîtes de stockage jaunes. Celles-ci sont toutes reliées entre elles et se partagent leur contenu, partagent leur contenu. Ça, c'est classe pour les jeux de ferme. Ça, c'est classe. Déjà, ça me plaît. Qui veut dire qu'on peut retrouver notre stockage global un peu partout où on en posera. Et on peut en poser. Ou alors un peu partout où ils auront décidé d'en mettre. Oh là là, un débat sur les triple A de bon midi comme ça. Bah, s'il nous rejoint, il va être chaud comme une baraque à frites. Hein. Ou peut-être c'est nous qui le rejoindrons. Nous verrons. Je vais pas te mentir, j'ai fui. Ok. Vu ton honnêteté, ça restera entre nous.
Village de Lett, donc c'est là où il a le médecin qui nous a trouvé, évidemment, c'est juste à côté. Petit effet de caméra en biais. Et est-ce que ça va? T'as pas l'air dans ton assiette? Oh, je crois que j'ai compris. C'est toi qui as fait un malaise sur la colline, pas vrai? Kress nous a parlé de toi. Au fait, je m'appelle Van, et ça, c'est le village de Lett. Si jamais tu cherches Kress, tu la trouveras sûrement à la clinique. Où est cette clinique? Ou tu peux me montrer où elle se trouve? Ah, c'est pas mal, ça. Oh, tu veux que je t'y emmène? Je peux pas, désolé. On dirait peut-être pas, mais en fait, je suis super occupé là tout de suite. Je suis en plein milieu d'une partie de princesse et augure. Après ça, je vais jouer à Attrape le Connelu avec Velt et les copains. La clinique est sur place en haut de la colline. Tu peux pas la rater, je te jure. Sur la place en haut de la colline. Ok. Rien de plus facile, suis cette rue et quand tu arriveras à la place du village, monte les marches. Bon, c'est pas tout, mais j'ai une princesse à capturer, moi. A plus. Ok, dude, merci. Alors, appuyez sur moins pour consulter la carte. Voilà, j'appuie sur moins. Donc, on a les points de paix, changement de zone, le bazar, restaurateur, forge et arc principal, donc qui est la quête. Quête principale. Est-ce qu'on peut aller un petit peu où on veut? Non. On peut quand même passer par là, c'est cool. Ici, c'est le coin pêche, mais nous n'avons pas de canne à pêche. Voilà. Ah ouais, le connelou. Il faut se méfier. Ah ouais, surtout si c'est une mauvaise strade. Une mauvaise strade qui était connelou. L'exemple, sachant que le L et le R c'est presque similaire. Il y a quelque chose d'écrit sur le panneau, nous ne le saurons jamais. La ville côtière de Châtelat se trouve au sud de Lett. Un inventeur originaire de cette ville vient régulièrement à Lett pour acheter des marchandises. Coucou Ambroline, comment ça va? Mauvaise strade pour Calibou, comme chacun sait. Coucou Ambroline, on est sur Harvestella, la démo est disponible sur Nintendo Switch, sur l'eShop. Je sais pas si tu l'as déjà prise, mais ça sent bon le Rune Factory-like. Et on commence à peine là. Ça va, nous dit Ambroline. D'ailleurs, il est plutôt beau gosse. Je devrais peut-être l'inviter à un rencard. Alors, je me suis paumé. On est arrivé par où à la base? Je pense qu'on est arrivé de là, non? Ouais. Et on va aller là-bas. Tout en haut des escaliers. On va parler à mamie. Non, je vais le tester. Ouais, c'est. Je l'attends. Il sort en novembre, Ambroline. Il sent bon ce jeu. Ceci est un monolithe. Il y a eu beaucoup de blagues sur Twitter d'ailleurs, parce que monolithe, monolithe software, tout ça, blablabla. Xenoblade. Donc je ne referai pas la blague. Ceci est un monolithe. J'imagine que tu en as déjà vu dans d'autres villes au fil de tes pérégrinations. Ouais, il n'y a pas que ça, Ambroline. Il y a aussi Dragon Quest Treasure. Avant ça, il y a Persona 5 Royal sur Switch, il y a Nier Automata, il y a un petit jeu de stratégie de Square Enix qui arrive le 22 septembre, là, jeudi prochain, dans une semaine. Il y a Mario Lapin Crétin, ça va être la misère.
Il puise son énergie dans le lumicycle que tu peux apercevoir là-bas, et nous accorde sa protection divine. Ah, classe! La vie est devenue beaucoup plus simple depuis l'invention des monolithes. Ça ne fait aucun doute. Et oui, le retour de Freezer qui communique. Freezer bleu qui communique avec Freezer rouge là-bas et qui assure une protection. On lui a déjà parlé à elle, ouais, on avait fait le tour. Donc c'était juste là qu'il fallait aller. Papa et maman avaient tort. Ils en avaient pas rien à faire. Ah, on peut rentrer dans les maisons. Alors on a de la pastèque, de l'ananas, des oranges et un yuzu, je pense. Hein. Ouais, ça doit être un yuzu, le gros truc jaune là. Le citron de Jap. De la belle porcelaine. De la terre cuite. Là, on a exactement la même assiette. Vous voyez? C'est chaleureux, ça a l'air douillet. Quand tu me parles de l'éclairage. Par contre, ils sont pas dans l'économie d'énergie, eux. Hein. Vu comme il fait soleil dehors. Je sais pas ce que t'en penses, Louis. Bon, c'est cheap, mais c'est pas aussi cheap que RF5, je dirais. Allez, on continue. Alors on devait aller à la clinique juste ici en fait. Je visite un petit peu. Ce type qui se la pète se pointe un peu trop souvent au bazar à mon goût. Et j'ai l'impression qu'il fait craquer ma copine. Les boules. J'espère que je me fais juste des idées. Ah ouais. Les prêtres de l'ordre de l'hémicycle viennent parfois en ville sous l'escorte de cette jeune femme guindée et digne. Elle est tellement belle. Je vois bien que mon copain ne la quitte pas des yeux dès qu'elle est là. Ah, ils sont chauds. Ils parleront chinois quand ils recevront la facture EDF. Ils allument même les extérieurs, t'as vu? Ça fait penser au monolithe qui est là, non? Ah, je peux pas sauter sur le toit. C'est dommage. Je serais bien allé chercher un petit coffre caché. Là, je peux pas passer. Bon, allez, on va rentrer. Je regarde un petit peu comment c'est foutu. Hein. Un couple à problème. Ah bah, j'avoue que... ouais, ça, c'est clair. Allez, on fait avancer un peu l'histoire. Il est 13h déjà. Dame, c'est toi? Tu veux bien mélanger les ingrédients du médicament du maire? Oh, c'est toi! Bienvenue, viens, entre. Comment tu te sens? Ta mémoire est revenue? Ah, je vois. Il faut dire que tu étais dehors pendant le quiétus. Le quiétus? Qu'est-ce que c'est? Alors ça, on a déjà demandé. On peut la refaire. Allez. Oh là là, tu as même oublié ce qu'est le quiétus. Même nous, les médecins, en savons encore très peu à son sujet. Le quiétus est la saison de la mort, où le lumicycle relâche anormalement des particules létales dans l'air. Il se produit entre les quatre saisons. Nous pensons que la poussière peut être mortelle si elle est ingérée ou inhalée. Alors tout le monde reste cloîtré durant le quiétus. Et maintenant, viens par ici, s'il te plaît. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Je vais t'ausculter. Je vais t'ausculter. J'en perds ma voix. Cress procède à un examen médical, dont vous ne verrez pas les détails.
Pour l'instant, tout semble normal. Tu m'as l'air en parfaite santé. Tu peux remercier ta bonne étoile, tomber malade en plein quiétus et en réchapper. Ça tient du miracle. Enfin, je ne vais pas m'en plaindre. On commençait à manquer de lits ici, alors je suis soulagé que tu aies mieux. Alors maintenant, concernant... Est-ce que c'était un tremblement de terre? Il fait si noir dehors. Ouais, pour voir quel genre tu as choisi au début du jeu. Cress, nous avons une urgence. Dame, c'était quoi cette secousse? Le lumicycle, il émet une lumière bizarre, viens vite. Que pouvaient bien être ces tremblements? Et voilà, EDF qui vient d'installer un compteur Linky. C'est ça, ils ont trop abusé d'électricité en fait. Suivez Cress et Dame. Ok, c'est parti. Mais c'est par où la sortie? Ah, je serais bien les visiter quand même. Ah non, on peut pas. Il y a le Data Wall. Oh, l'heure du châtiment divin a sonné. Notre heure est venue. Mur invisible dans les escaliers, toujours plus loin. Je te dis, ça s'appelle le Data Wall, je l'ai renommé. La lumière du lumicycle est de plus en plus intense. Je ne comprends pas. Le quiétus est censé déjà être terminé. Regardez. Du coup, on pourrait faire un débat, Louis. Faut-il rendre visible, comme dans ce jeu, le mur invisible? Bonne question, n'est-ce pas? Ou faut-il le laisser invisible? Quelque chose se réveille. C'est culturel au Japon, il y a des murs invisibles partout. Ok, donc ça c'est tous les monolithes qui s'excitent. Qu'est-ce que c'était? Tu as vu ça? C'est le châtiment divin, je te l'avais bien dit. Est-ce que ça atterrit sur la place du Nord? J'ai peur. Oh, les poules mouillées, notre village est en danger, on doit aller voir ce qui se passe. Ah, attends! Hé, hey, courez pas comme ça! Allons-y aussi, dame. Il y a peut-être des blessés sur place. Petite cinématique de Is 2. Je l'ai trouvé un peu... La cinématique, elle était un peu... Pas pixelisée, mais l'image était... Il y avait des carrés sur mon écran. Des zones moins éclairées. C'est bizarre. J'attends de voir la version finale, là. Mais pour moi, on est sur un morceau de la version finale puisqu'on peut reprendre la sauvegarde. Ça serait con de continuer le jeu, de ne pas avoir vu les choses telles qu'elles doivent être. Donc je pense que là, ça sera comme ça. Pardon, ça sera comme ça. Je n'arrive pas à y croire. Comment un objet aussi énorme a-t-il pu tomber du ciel? Et si Lord avait été présent aujourd'hui, je n'ose imaginer le nombre de victimes potentielles. Pourvu que tout le monde aille bien.
La bonne nouvelle, c'est que personne ne semble avoir été blessé. La mauvaise, c'est que le cristal peut avoir des effets nocifs sur le corps. Alors, éloignez-vous tous. Que quelqu'un prévienne le maire. Il devrait être rentré à l'heure qu'il est. On s'en occupe. Van Velt, venez, notre heure de gloire est arrivée. Allez, dépêchez-vous. Elle est bien téméraire, cette petite. Très bien, tout le monde. Très bien, tout le monde. Le spectacle est terminé. La situation est sous contrôle. Vous pouvez rentrer chez vous. Oh, ma soeur m'a parlé de toi. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, toi aussi. Attends, est-ce que c'est... Ça enchaîne vite, en tout cas. Une ouverture? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Tu veux dire qu'on peut entrer à l'intérieur? C'est quoi, c'est un vaisseau spatial? Bon, on va aller voir. Hein. Et personne ne t'a demandé de rentrer là-dedans. Je vais jeter un œil à l'intérieur. Ou alors ça va aller, ne t'inquiète pas. On va jeter un petit œil à l'intérieur. Tu... Ah, c'est vrai que j'ai foncé, j'ai pas cherché à comprendre. Qu'est-ce que c'est que ça? J'essaye d'y voir quelque chose. Hein. Oh, oh. Est-ce que ça va? Vous percevez le rythme saccadé d'une respiration oppressée. De la Einro sur... Bizarre ça, il a dit notre prénom. Eh, ça va? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est un extraterrestre? J'ai besoin d'un coup de main. Un coup de main, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est... Éloigne-toi tout de suite! Nous devons la soigner. Tu as perdu la tête? Soignez un augure? Oh, c'est vrai, j'ai failli oublier que tu étais amnésique. Ça ne t'évoque probablement pas grand-chose. Bon, pour résumer, les augures sont un véritable fléau et pourraient bien être responsables du quiétus. Mais celui-là est... Mais là, celui-ci est blessé. Tu as raison. Je ne peux pas faire semblant de n'avoir rien vu. Je vais donc l'achever, t'imagines? C'est mon devoir de médecin. Hein, papa? Allez, sortons-le d'ici. Cress, c'est... Il était à l'intérieur. Il est encore en vie. C'est pas ce que je voulais dire. Oui, je sais, mais je ne pouvais pas le laisser là-bas. Cress, dame, avez-vous découvert quelque chose sur l'objet volant? Monsieur le maire! Bonté divine, je n'en crois pas mes yeux, c'est le cristal qui s'est écrasé ici. Il est énorme! Monsieur le maire, un augure se trouvait à l'intérieur. Vraiment? Effectivement.
Ce spécimen semble appartenir à leur espèce. Je vous en prie, monsieur le maire, dites-lui que nous n'aidons pas les augures. Ils ont manigancé ce désastre. Alors, les augures sont vraiment si terribles, ou alors, mais cet augure semble souffrir. Les augures sont si, vraiment si terribles. Terrible, c'est un euphémisme. J'ai entendu des rumeurs concernant un individu ayant bravé le quiétus. C'est bien toi, n'est-ce pas? Effectivement, monsieur le maire, voilà la personne dont tout le monde parle. Les problèmes se succèdent les uns après les autres. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Tous les lits de la clinique sont occupés depuis l'incident de la semaine dernière, monsieur le maire. Dis-lui que c'est Connellou. Connellou. Mais je ne peux pas laisser cet augure blessé, ni même notre autre livré à eux-mêmes. En effet, mais nous ne pouvons pas accueillir un augure dans notre village. Je suis d'accord, cependant, en tant que médecin, je ne peux en aucun cas abandonner un blessé. Du calme, Cress. J'ai seulement dit que nous ne pouvons pas héberger un augure dans l'Ette. Que voulez-vous dire? Une cabane est libre à Val d'Oiseau. Je me trompe? Amène-le là-bas, je suis sûr que personne ne le remarquera. Je t'autorise à lui prodiguer des soins jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance. Ah! Il ne nous reste plus qu'à emmener cet augure à Val d'Oiseau. Pourrais-tu nous prêter main forte? Mi kangourou, mi caribou, le connelou. Et remi kangourou derrière. Derrière ou devant pour la petite poche, là? Mais tu vois que tu l'as ton kangourou, Louis. Je n'arriverai pas à soigner cet augure si je ne parviens pas à lui enlever son armure. Je me demande bien quelle est cette matière. L'armure ne bouge pas d'un pouce. C'est peut-être sa peau. Je t'avais prévenu, tenter de soigner un augure ne rime à rien. Laisse-le se reposer pour le moment. Je pense que c'est la seule chose à faire. Quant à toi, quel pont t'amène donc dans notre village? Monsieur le maire, le quiétus a affecté sa mémoire. Je vois. Tu as eu beaucoup de chance de survivre dehors en plein quiétus. Une fille est venue à ma rescousse, ou alors c'est grâce à cette fille. Une fille est venue à ma rescousse. Une fille? Aucun villageois ne serait risqué dehors à ce moment-là. Son corps était très affaibli. Il n'est pas impossible que cette fille soit le fruit d'une hallucination. Ah ouais, c'est une femme essaim, l'augure. Peut-être. C'est vrai qu'elle a le profil d'une femme. Mais un coup ils disent il, un coup ils disent elle. Alors je sais pas trop. Qui sait? Dans tous les cas, un peu de repos lui fera le plus grand bien. Cette cabane est inoccupée depuis le départ de son ancien propriétaire. Tu peux rester ici tant que tu le veux. Autant que tu le veux. Du coup, on va rester avec l'augure dans une cabane. Ils sont sympas quand même. Hein. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je demande au conseil du village. Nous devons établir un plan d'action concernant la chute impromptue de ce cristal. Cress, dame, je vous laisse prendre le relais. Cress, tu es sûr de vouloir t'occuper de cet augure? Oui. Ça y est, tu recommences. Tu t'impliques beaucoup trop au risque de mettre ta vie en danger. Je retourne finir mes consultations. Ouais, l'idée c'est de voir si l'augure va nous tuer pendant notre sommeil. Désolé, les événements récents m'ont totalement vidé moralement.
je n'emmène pas large non plus. Ou alors, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Genre, je m'en bats les steaks. Je fais quoi, moi, maintenant? On va rester sur je n'emmène pas large non plus. Tu en as vu des vertes et des pas mûres. Repose-toi jusqu'à demain. Je suis sûr que ton organisme continue d'éliminer les effets nocifs du quiétus. Je vais te laisser te reposer, je reviendrai demain pour voir si tout va bien, d'accord? J'aime bien la musique pour l'instant. La fatigue vous submerge soudainement. C'est ton augure, tu te débrouilles avec. Ils vont remettre le mur invisible dans les escaliers et tu seras coincé, nous dit Louis la brocante. Vilaine binaire. Ou vilain. Il est temps de vous reposer. Oui, bah on va dormir. Hein. On fait les fous. La partie sera automatiquement sauvegardée lorsque vous irez au lit et que la journée prendra fin. Ah oui, il doit y avoir une notion d'heure, il y a une notion de saison. Donc il doit y avoir un calendrier. Il ne nous reste plus que 14 jours de jeu, les amis. On peut jouer que 15 jours de jeu. Il va falloir trouver une potion pour pas dormir. Villaniel. Quelqu'un est ici. On est déjà dans notre petite baraque, c'est cool. Sympa la cabane avec la machine à coudre et tout. Mince alors, tu étais encore en train de dormir? C'est déjà l'après-midi, je te signale. Enfin bon, si tu es malade, il faut bien que tu te reposes. On ne peut pas y faire grand-chose. Comment tu te sens? Tu ne m'as pas dit ton nom, tu t'en souviens? Hein. C'est bon signe que tu te rappelles de qui tu es. Que tu te rappelles qui tu es, soit dit en passant. Je vais t'examiner rapidement. Essaye de ne pas bouger, s'il te plaît. Deuxième auscultation en 2 jours. Ah oui, je m'y connais en hutte, le Louis. Je peux te dire que là, il y a de la tapisserie et tout. C'est quand même de luxe, la cabane. Ça fait... Ça fait un peu Cabane Center Park. Bien, toujours rien à signaler. Oh, j'allais oublier, le maire m'a demandé de te donner quelque chose. Tu veux bien me suivre à l'extérieur? Des graines, s'il vous plaît, on veut faire du farming. Ce n'est pas le genre de cadeau qu'on a l'habitude de recevoir, mais voilà. Yeah! J'aurais dû écrire ce jeu, les amis. Vous avez obtenu 3 graines de carlope et 3 graines de blé stellaire. Apparemment, tous les habitants du village de Lett ont participé. Si vous voulez que je vous raconte la fin du jeu, vous me dites. Les gens ne regardent plus de films avec moi à cause de ça. C'est triste, du coup je ne regarde plus de films. Tu as un beau terrain ici, je crois que le maire espère que tu en feras bon usage pendant que tu te remets sur pied. En gros, on te prête une cabane, mais ça serait bien que tu fasses pousser des trucs. Ce que j'approuve entièrement d'un point de vue médical d'ailleurs. Ça va t'occuper, sans objectif à atteindre, on a tendance à se laisser envahir par la morosité ou la tristesse. Et oui, il ne voudrait pas que je devienne un jeune désœuvré qui brûle des voitures. Et quand l'esprit souffre, le corps souffre aussi. Inutile de tergiverser. Mettons-nous au travail. Ne t'en fais pas, je t'apprendrai ce qu'il y a à savoir. Je ne suis pas une experte, mais je connais les bases. Tu veux que je te donne un coup de main? Je suis médecin, pas agricultrice. J'ai déjà du mal à soulever les outils. Tu vas devenir une carlope de l'espace. Et puis, il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre que de faire les choses par soi-même.
Sympa! Labourer la terre, planter les graines et arroser les tout en changeant d'outil. Alors, du coup, labourer avec Y. Fois 2 pour terminer. Alors, on a 6 graines, les amis. On va pas commencer à faire n'importe quoi. On peut se faire un petit. Alors, le bord, il est où là? Il y a toujours un caillou pour faire chier, par contre, hein. On n'a pas de marteau, on n'a rien pour péter les cailloux. On va se faire un petit 6 comme ça, mais le problème c'est qu'après on va avoir une bande. Une bande perdue. Un 2. Ouais, je vais plutôt le faire autrement, allez. Vous allez voir ça. De toute façon, on est sur du 6. Et je pense qu'on aura des carrés de 9, classique. Ok, alors labourer. Ah oui, d'accord. On va labourer deux fois. Donc là, on s'imagine que ça sera le troisième carré de 9. On peut pas péter le caillou. Alors attention, je crois qu'on a de l'endurance. Hein. Ce jeu de matheux. Non, c'est juste que quand tu commences un jeu comme ça, tu le fais à la Sgenoway et après, tu es dégoûté. Donc c'est bon, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. Non, mais non, je veux labourer encore. Ok. Donc là, ça sera mon carré de 9 pour plus tard. D'ailleurs, j'aurais dû commencer. J'ai été très con. Ici, mon carré de 9. Donc là, c'est labourable, non? Là, non, et là, oui. Donc mon carré de 9, on va dire que ça sera ça plus tard. Et puis après, est-ce qu'on peut délabourer? Non. Pas grave. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ouais, ok. Alors, planter, appuyez sur X pour planter des graines. Ouvrez votre sac à dos avec la croix. Ok. Donc les carottes. Alors pourquoi je peux pas choisir les carottes? Oui, c'est ça, hein. Est-ce que tu peux facilement en chiant dessus? Non, ça c'est dans The Cult of the Lamb. C'est pas dans ce jeu. Ah, mais il y avait encore un carré ici. Quelle misère. Ah, maintenant je peux. Alors c'est bizarre, bon, allez hop. Ici, ok. Tac, tac, 1, 2, 3, 4. Ah, du coup, il me laisse pas trop le choix. Hein. Il veut pas que je m'organise. À moins qu'on fasse deux champs. Ouais, on peut déjà commencer à réfléchir à répartir les graines. Ok, maintenant sélectionne l'arrosoir. Maintenir ZR et appuyer vers le haut. Ok, donc ZR, je choisis mon outil. Là, je devais être sur labourer. Et maintenant, je prends l'arrosoir. Et j'arrose avec Y. Et ça, c'est de l'arrosoir de luxe, les amis. Et encore, c'est le tout premier qu'on a. Ça veut dire qu'après... Est-ce qu'on a une réserve d'eau? Non. Ça, c'est cool. Alors, arrosage quotidien. Les cultures de votre ferme ont besoin d'eau pour pousser. Arrosez-les tous les jours. Vas-y, il faut que je bouge Kabuki. Je re dans la soirée. Non, je serai pas là, mais je serai chez quelqu'un, sûrement. Merci d'être passé, Louis. D'avoir tenu taillé le bout de gras avec moi. Et puis, je te dirai à très bientôt. N'oublie pas de passer la semaine prochaine, mardi et jeudi, je pense. Je sors des bons jeux. Je peux pas en dire plus. Oui, pas mal du tout. Mardi et vendredi, pardon, parce que jeudi, je serai pas à la maison. Mardi, vendredi. Bah, les 2 jours de stream de la semaine prochaine. Peut-être que je ferai une entorse jeudi soir, du coup. Je mettrai le planning à jour de toute façon en fin de semaine. Mais tu ne le regretteras pas.
Tu as l'air plutôt habile de tes mains, continue comme ça et je suis sûr que tes efforts porteront leurs fruits. Oui, c'était un jeu d'enfant. Dis donc, on peut dire que tu apprends vite. Je me demande si je ferais pas mieux de t'embaucher à la clinique. Et bon après-midi du coup, surtout Louis. Je plaisante évidemment. Même si cette ferme a connu des jours meilleurs. Ça n'a pas dû être une mince affaire de la remettre en état. Ah voilà, ces rochers gênent le passage. Oui, ils t'ont sûrement compliqué la tâche. Si tu avais un marteau ou un outil du genre, tu pourrais les démolir pour dégager plus d'espace dans ta ferme. Je suppose que tu n'en as pas. C'est bien ce que je pensais. Dans ce cas, il ne reste plus qu'à en fabriquer un. Tu peux pas m'en prêter un? Je n'en ai pas. Et il vaut mieux que tu le fabriques toi-même. Tu vas devoir devenir autonome si tu veux vivre ici. Tu peux fabriquer un marteau avec de la pierre dure. Et Recep Burnett, du clan des Burnett. Comment ça va? Depuis ce matin? Je te montrerai comment faire, mais tu dois d'abord te procurer les matériaux. Tu devrais pouvoir trouver les matériaux dont tu as besoin dans la steppe de Nior. La steppe de Nior? Ah, c'est vrai, tu ignores probablement où elle se trouve. Bien, bien, et bien tant mieux, Seb. Mon live s'est bien passé ce matin, j'ai pas pu passer, là j'ai eu des urgences. J'ai même fini ma dernière réunion à 12h27 pour prendre le live à 12h30, j'ai pas encore bouffé. C'était un peu le feu ce matin. Pour te rendre à la steppe de Nior, passe par cette porte là-bas, descends la colline et suis la route vers l'est. Je dois tout de même te prévenir que des monstres rôdent là-bas, alors fais attention. Quoi d'autre? Ah oui, voilà pour toi. Pes vous a donné un sandwich. Bah bien, 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 Seb, ça va, ça bosse. Ah, t'as bien galéré sur la mission. J'irai voir la VOD du coup pour voir ce que ça donne. Tu dois mourir de faim après tout ce que tu travailles à la ferme. Je t'ai préparé quelque chose à te mettre sous la dent. C'est une bonne idée de te remplir le ventre avant de t'aventurer dans les contrées sauvages. Car si tu attends d'être à bout de force et de tomber dans les pommes pour manger, ce sera déjà trop tard. Et oui, c'est vrai qu'on a de l'endurance. Faut pas oublier. Alors, tu vas me manger ça pour récupérer toute l'énergie que tu as dépensée, compris? Merci. Alors, nourriture et endurance, justement. Vous pouvez récupérer l'end, donc l'endurance, dépensée à la ferme, ou les PV perdus au combat en mangeant. Certains repas améliorent temporairement les capacités. Du grand classique. Votre jauge de faim se remplit temporairement après un repas, même si la jauge n'est que peu remplie, votre endurance se reconstituera. Parfait. Bon, je retourne à la clinique. Si cet augure ouvre les yeux après mon départ, préviens-moi sur le champ. Je l'avais oublié déjà celui-là. Alors, jour. Dans ce jeu, le temps passe automatiquement. Plus il est tard, plus vos capacités seront réduites. Vos actions seront également limitées. Nuit. Lorsque l'horloge indiquera minuit, vous vous évanouirez de fatigue. Donc là, le time max, c'est minuit. C'est pas une heure ou deux heures comme dans Stardew ou d'autres jeux. C'est minuit. Assurez-vous de rentrer chez vous et de dormir avant que cela n'arrive. Faudra faire gaffe. Hein. Faudra faire gaffe. J'aimerais bien aller voir quand même ce qu'on peut trouver en se baladant. Avant de terminer ce live. Sur la carte du monde, le temps s'écoule en fonction de la distance que vous avez parcourue. Ah bon? Explorez le village de Lett à proximité ou aller à la steppe de Nior à l'est. Alors, du coup... Ah ouais, chaque fois qu'on fait un pas, c'est 10 minutes, les gars.
Ça va, c'est à côté. Mais quand même, faut faire gaffe pour le retour. Faudra rentrer à 23h20 max, un truc comme ça. Hein. Ça rappelle un jeu qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Je sais pas si t'es toujours là en Breline, mais t'as vu, il a l'air vraiment cool, hein. Alors, attaque normale, Y. Maintenir ZL et appuyer sur L. Ah, ça use de l'endurance de courir, attention. Faut pas faire de roulade. Oh. Ouais, t'aimes bien, moi aussi. J'avais senti déjà la première presse. Et là, de l'avoir en main... Ça me plaît bien. Bon ben on va éviter de courir alors. Hein. Cueillette et extraction. Partie 1. Dans certaines zones du champ, vous pouvez obtenir des objets en utilisant de l'endurance. Vous pouvez obtenir deux objets provenant de ces zones. Celles-ci regarniront à nouveau le jour suivant. Ah oui, d'accord. Donc, tous les jours on peut revenir. Est-ce que ça sera au même endroit? J'en sais rien. Alors, je sais pas ce que j'ai chopé. Sac à dos. Bah, j'ai mon sandwich que j'aurais dû bouffer d'ailleurs. Est-ce que je le mange maintenant? Non. Alors, serre en artisanat, pierre dure. Apparemment, c'est ce que j'ai chopé. Alors, ça, c'est de la viande parce qu'on a buté l'animal. Ouais, c'est ça. Un ingrédient de cuisine, donc on peut faire la popote évidemment. Un délicieux morceau de viande crue très nourrissant, souvent dégusté en plat principal. Déplacez-vous librement en journée, reposez-vous dans votre lit la nuit. Là c'est pareil, j'ai pas vu ce que j'ai eu, alors c'est bizarre. Hein. J'ai eu des graines, ok. Ça doit être un endroit de l'écran que je percute pas en fait. Ah oui, c'est là, à droite. Pierre dure, ok. Il y en a deux apparemment. On peut pas péter les arbres pour l'instant. Je sais pas si on pourra miner après bûcheronner. Alors ça aurait été bien qu'on chope les ingrédients en passant dessus, mais il faut appuyer sur A à chaque fois. On s'habituera. Il y a des trucs pas nets au fond. C'est des animaux? On dirait des... Je sais pas. C'est bizarre. On dirait des gars en armure ou des robots, je sais pas. Reine de laitue tutu. Alors, plus. On va manger le casse-dalle. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a pas l'air commode. Hein. Vous l'avez trouvé? Oui, il a été aperçu au lumicycle de printemps. Il s'agit du cauchemar planétaire? Oui, certainement. Très bien, j'ai une idée. Réunissons-nous au Dianthus et les autres. Avec Dianthus et les autres, pardon. Ça n'a pas l'air d'être le bon moment pour leur parler. Mieux vaut les laisser tranquilles. Ouais, je pense. Je pense qu'on va les laisser pépouze. Hein. Moi, je serais d'avis d'aller planter les trucs qu'on a ramassés. Ah, mais je suis pas allé par là-bas. Hein. Bon, je vais tourner ma cam. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas besoin de la tourner. Alors, je vais essayer quelque chose, les amis. Je vais essayer de faire plus. Autre. Ah. Ah oui, pour sauvegarder, il faut dormir. Et on n'a pas de téléporte, apparemment. Non, pas pour l'instant, en tout cas. J'aurais bien aimé avoir un téléporte pour rentrer direct à la baraque.
On dirait que le souris va se coucher une minute à l'autre. Retournez dans votre maison à Val d'Oiseau pour dormir. Bon, là, ça va, on est en mode tuto encore. Bon, il est 18h, ça va. Du coup, on a cramé un casse-dalle pour rien. C'est dommage. Mais c'est vrai que ça avance vite, hein. On a perdu une heure de chemin, en fait. Voire plus, parce qu'on s'est trompé d'entrée. C'est où chez moi? Ah oui, bah c'est là-haut. Ah non, attends, la cabane, attendez les amis. Je sais même pas où c'est chez WAM. Bazar, forge, restaurateur, emplacement actuel. Non, je pense qu'on est en dehors de la ville. Ah là 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 là. Ça doit être ça chez moi. Voilà. C'était moins loin que prévu. On a du courrier, d'accord. Vous pouvez recevoir des lettres parfois accompagnées d'objets dans vos boîtes aux lettres. Votre boîte aux lettres s'illumine lorsqu'elle contient des nouvelles lettres. Et Louis qui est resté en l'heure, que ça fait plaisir, merci. Je me couche, je sauvegarde. Ah mais oui, c'est où mon lit? Ah, c'est là-bas. En espérant que Bouli ne se réveille pas. Je dis ça parce qu'il faut que je sauvegarde pour aller taffer. Manger un petit bout avant. Donc là, c'est le soir, ok. Il va se passer quelque chose. Un bruit sourd se fait entendre depuis le lit voisin. Je ne dors plus. Allez voir ce qui se passe. Bon, on va pas se rendormir, j'ai l'air de rien quand même. Erreur, erreur. Anomalie détectée au sein du système de maintien des fonctions vitales. Risque d'effet irréversible sur le corps. Ça s'est réveillé? Ou alors cette chose est consciente? Cette chose est consciente? Niveau de conscience de l'opérateur faible, jugement conscient, impossible. Analyse de la composition atmosphérique. Faible quantité de poussière de Gaïa détectée. Corps affecté par la densité de la poussière de Gaïa. Ajustement. Abandon de l'équipement de protection. C'est une fille. La jeune fille dort paisiblement. Vous feriez mieux d'aller chercher Cress sur le champ. Je me serais bien couché, moi, les amis. Alors, dormir permet de sauvegarder. Il faudrait voir si on peut sauvegarder autrement. Tu veux dire qu'il y avait une humaine à l'intérieur de l'armure de l'augure depuis le début? Hein, as-tu la certitude que cette fille se trouvait à l'intérieur de l'armure de l'augure? Absolument. D'accord, je ne vois pas ce que tu aurais à gagner à nous mentir. Ce serait logique qu'elle ait été dans l'armure de l'augure tout ce temps. Le tissu de ses vêtements est différent de tout ce que j'ai pu voir dans ma vie. Je me demande d'où elle vient. Je parie qu'elle bosse pour eux. Tu ne devrais pas baisser ta garde juste parce qu'elle nous ressemble, Cress. Une humaine qui porte une armure d'augure, c'est carrément louche. Ça suffit, dame. Il est inutile de tirer des conclusions hâtives. Que veux-tu faire d'elle, Cress? Eh bien, elle est encore inconsciente, alors nous allons devoir attendre pour l'instant. Mais Cress! Mais quoi? On ne va pas l'abandonner quand même. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas, Hein? On ne peut pas l'acheter à la rue. Non, ça m'est égal. Je ne risque pas d'être en danger.
Je comprends tes doutes. On ne sait pas de quoi cette fille est capable. D'ici là, je te la confie. Ok, sympa. En gros, c'est article 42. Démerde-toi, Cress. Très bien. Oh, il se fait tard. Retournons au village. Ne baisse pas ta garde. Tu n'as aucune raison d'agir ainsi. Je reviendrai demain matin pour voir comment ça se passe. À bientôt, Hein. La jeune fille de l'armure dort paisiblement. Vous devriez peut-être vous reposer, vous aussi. Est-ce qu'il va se passer un truc dans la nuit ? Zéphyr printanier, jour 3. On a déjà fait 3 jours. Hein. En tout cas, 2 jours complets. On entame le troisième jour. Qu'est-ce que... Hein ? Mais où est-ce que je suis ? Quelqu'un parle. J'étais en train de faire des recherches sur la reine R. Et tout à coup... Ah, où est mon équipement ? Ah, quelle galère ! C'est quoi cet endroit, bon sang ? Bah, du coup, on est deux à débarquer là sans savoir ce qu'on fout là, quoi. Peut-être que nous-mêmes sommes une augure. Elle est sortie. Alors normalement, ça a sauvegardé, je l'espère. Alors, sac à dos, objet de valeur, grosse spécialité, autre option, comment jouer. Dans option, on n'aura pas la sauvegarde. Retourner au menu principal. Faire de la progression non sauvegardée. Au pire, on recommencera un petit bout. En tout cas, il est l'heure pour moi de vous laisser parce que je dois aller bosser. Je vais regarder si j'ai quelqu'un en host, toujours. On pourrait rejoindre. Eh bien, on a notre cher Data Reaper, donc il n'y a pas à hésiter. On rejoint un membre éminent du GWAC. Le raid est créé, très bien. Je repasse en mode studio, je vous prépare l'outro. Donc je balance l'outro et comme d'hab, ça coupera sauvagement pour aller sur le raid. Et pour ceux qui nous regardent sur YouTube et vous découvrez ce jeu, ben, j'espère que ça vous a fait plaisir. On est sur un RPG en français, au mois de novembre, axé jeu de ferme, un peu comme le Rune Factory qu'on a fait sur la chaîne. Donc, on continuera ce week-end. On fera du Various Daylife et du Harvestella pour les pousser dans leur retranchement et voir ce que ça donne vraiment. Parce que là, on a vraiment fait que des débuts de jeu aujourd'hui, puisqu'on était en découverte. Des bisous, des checks, bonne journée. Et nous, on se retrouve demain, du coup, demain vendredi. Pour 2 jeux très sympas, Splatoon 3 et puis un autre jeu qui ressemble, qui c'est un mélange entre Limbo, plateforme, voilà, vous allez voir. Little quelque chose. Je vous en dis pas plus, vous pouvez peut-être faire des recherches sur internet. C'est sorti cette semaine sur l'eShop. Allez, j'envoie l'outro et puis on part en raid. Bye bye. Et merci d'avoir suivi ce live.